Chez Barack Obama. Donc, quand ils sont allés dans les carrefours, aller jubiler, on a vaincu le lion. Ok, lion. Je vous dirai en un seul mot. Un seul mot. Continuez. Car je vous verrai dans les jours à venir. Je ne serai pas tellement long parce qu'il y a plein d'artistes. Je vais demander au DJ parce qu'il va aller chercher un artiste. Il a chanté, mais il ne vit plus. Mais sa musique reste. Suivez mon regard. Sous
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Yeah.
qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions, au prince manquant d'être ou Anatole qui quitte cette vie, permet que purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 16, versets 3 à 9, puis chapitre 16, versets 22 à 27. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail, dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité à moi et à toute l'Église. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Cartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Toi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué, à sa grandeur, il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, désespoir. Je retirerai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Jésus Christ, prie à nous.
que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, vous êtes de ceux qui font passer pour juste aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Comme Papa Anatole, à l'occasion d'une célébration eucharistique comme celle-ci, c'est de tout faire pour ne pas distraire le prêtre, pour demander des comptes. Parce que quand vous, il remplit une fonction, il s'en va. Même si on ne vous le dit pas très souvent, c'est un peu ça. Dès lors que le prêtre est à lui-même et aux morts, et là, tout ce qu'on aurait dû lui rendre de bien et de beau, c'est ce petit moment de prière-là, à savoir nous concentrer pour lui dire en paix. Mais si ça, on ne peut pas le lui dire de la tête. Que, ayant tout l'or du monde, on aura tout Dieu et l'argent. C'est comme ça que nous devons comprendre ce texte que, qui nous est servi. Il leur a posé la question. Mais ces tonnes d'argent, il va les mettre où? Est-ce que ça pourra le contenir? Et lui, et ses maisons, et lui, et ses femmes. Et le fait, ce fou disait quelque chose de fondamental. Bien ne doivent jamais être utilisés comme une fin. Et progressivement la place de Dieu. Et vous comprenez pourquoi Jésus est amer face aux pharisiens. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et je reviens et j'insiste pour que nous comprenions qu'il ne s'agit pas de dire que l'argent est mauvais sur tout point de vue. Il s'agit tout simplement de comprendre ce texte que si nous avons Dieu, nous avons tout. Si nous avons Dieu, Dieu nous aidera à mieux utiliser l'argent, à mieux utiliser les biens que nous avons pour le bien de nos frères, pour le bien de nos sœurs. Mais si Dieu nous manque, on va l'utiliser comme on le fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On méprise les autres, on arrache les biens des autres, on les fait fermer en prison. Bref, avec notre argent, on achète tout, sauf qu'on ne peut pas acheter le ciel avec cela. En disant que, en ce jour où nous prions pour Papa Anatole, nous voulons demander que le Seigneur lui pardonne ses fautes. Si d'aventure, les biens de ce monde l'avait aveuglé. Et nous savons le sentiment de fierté qu'ont les princes dans nos villages, les princes. Ce n'est pas simplement à Bafé. Quand on est prince, on est quand même quelqu'un quelque part. Donc, si d'aventure, la principauté l'avait amené à oublier que Dieu d'abord et le reste après, que les quelques moments qu'il a eu à flirter avec Jésus et à la grande famille qu'il laisse, la famille royale, que cette famille comprenne que Dieu d'abord et le reste après. Tout pouvoir vient de Dieu. Et la royauté, pas fait quoi en particulier. Vous avez intérêt, nous avons intérêt à nous mettre les genoux au sol pour demander au Seigneur la sagesse qu'il nous fera aller droit au mur. Nous prions également en ce jour pour ceux qui sont venus de loin, pour nous, que le Seigneur protège chacun et chacune au moment de prendre la route pour le retour dans son domicile. Loué soit Jésus-Christ. Je crois péché à la résurrection de la chair. Et maintenant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur quelques-unes de nos soupirs. Pour Simien, par gloire.
Bon, mon Beno. Là, moi, moi, quand il y a eu un dos, voilà. Mon dos, son nom, tu l'es, tiens. Je suis. Moi, je suis baptisé. On veut bien boire le pape François. La table, c'est que pour viso. Tant que je suis. Je suis pour mon dos. Tous les orphelins de la famille de Papa Mouka Anatole. Les abandonnés des rues. Les malades, les prisonniers. Les âmes les plus abandonnées au purgatoire, surtout celles les plus délicées, afin que le Seigneur de miséricorde soit la source, qui les délivre de leur fardeau et leur procure la paix du corps et de l'esprit. Dieu de pitié, nous te prions. Toi le seul maître, qui a permis que nous soyons ici pour les obsèques de Papa Mouka Anatole, nous implorons ta protection, afin que tout se passe dans la paix et ramène chacun sans incident à son domicile, sous la protection de ton saint ange Raphaël. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton indication et d'en répondre à leurs appels, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chapeau, c'est bien moi, voyons tu es un pombo, quand tu peux m'aider, nature pour ma yaïe. Je suis Je suis un peu plus de temps.